surprise. C'est quoi? Et puis, c'est quand pour fermer les yeux. T'es pas sérieux. Elles sont bien belles dedans. Nous sommes à Sainte-Marie de Anne, l'une des plus grandes écoles et plus belles écoles du pays, comme vous pouvez le constater. Et c'est pour l'inscription de l'une de mes nièces, la plus petite, pour la classe de 3e. Et nous sommes vraiment émerveillés. En Côte d'Ivoire, c'est vraiment rare de trouver de si belles écoles, si bien entretenues et tout. Franchement, je suis émerveillée et j'adore. Amazing, it looks great. I wish I started here when I was younger, but you know, it's my niece, and my niece is like a leader of me, so I'm very happy for her to be part of this school. Look at the place, it's so huge and beautiful. I totally love it. Mahatma Gandhi from India. Je suis vraiment vraiment contente d'être ici. Très franchement, j'adore. C'est bon.
a service. Guys, we're still exploring Dakar. Everything's going so smoothly, so far, so great. The city is so clean, like you guys can see. Those people are really taking care of the streets and the places. I love it here. I think I can live here for a year, I think. Or maybe more than that. The only things that I don't like about this place is like the sun's too high, it's so hot here, but we're in Africa, and when you say Africa, it's equal to a sunny day, the hotness is real. Okay, so this is La Mosquée Omarienne de Dakar. This is La Mosquée Omarienne de Dakar. As you guys can see. As you guys can see. I thought it was the bigger mosque in Dakar, but it's not one. Stop doing that. She's just repeating whatever I'm saying, you know. La rue des Ambassades, je crois. Ocean. Nous sommes au monument de la Renaissance africaine, comme vous pouvez le constater. Mais malheureusement, c'est fermé. Je ne sais pas si c'est à cause du Covid-19. Mais c'est fermé, on ne peut pas visiter ni prendre des marches. Franchement, je suis un peu déçue parce que j'avais très hâte, vraiment hâte de visiter le coin, mais bon, je me rends compte que ce n'est pas une possibilité. Voilà, c'est pas possible. Donc voilà, le monument est juste là et moi je suis là, je peux pas prendre des masses là, je peux pas visiter aussi le musée qui est à l'intérieur. Donc nous sommes déplacés un peu pour ne rien, c'est dommage. Présent, qu'est-ce que tu fais? Bon.
Alors si tu peux aussi tirer. Voilà. Ah, mais ouais, déjà. Tête au top. Petit poisson de l'eau. Parce que tu nages bien. Look how clear this is, like the water is so pure, and look at this rock. Oh my god, where's the fish? Where's the fish? C'est un poisson. C'est un poisson. Oui, mais je vois pas bien. J'ai vu, mais c'est en train de battre. Je vois ces poissons. Je me suis dit, ce sont des saucisses. Ouais, saucisses, c'est pas comme ça. Vois le poisson ici, mais je vois pas. Ah, il y a des poissons ici. Il y a beaucoup de poissons ici. Il y a beaucoup de poissons. De petits poissons que je vois. Non, ça, apparemment, je n'ai jamais vu les scorpions. Oui. Il a dit venez avec moi. Waouh! Grâce, qu'est-ce que tu fais? Yako! Je préfère. Ah, la godéja. Ça, c'est pas mal, ça aussi. Non. Ça aussi, j'ai aussi aimé. Ça fait un peu Afrique façon. Parce que je dirais, prends ça. Il y a plusieurs, tu veux, tu prends. Il y a un autre aussi. Il y a froid. Il y a froid. Comment je vais prendre ça? Et ça, c'est quoi? Bon, c'est bon. Merci. De rien. Sénégalais, il faut que tu mets des trucs comme ça. C'est quoi ça? Non, attends, je sais pas, oui. Voilà, pour pêcher les Sénégalais, il faut mettre des trucs comme ça. Hein. Ça, oui, c'est quoi? Des femmes ivoiriennes, là. Hein. Voilà, si vous voulez attraper un Sénégalais, vous mettez ça. Voilà, c'est ça. C'est pour dévoiler vos belles jambes, vous les ivoiriennes. Ah ben. Ouais. Et puis, c'est les chops du monde, ce sont les Sénégalais. Voilà, les meilleurs. L'appétit vient en mangeant. Les hommes les plus doux en Afrique, ce sont les Sénégalais. Ça, c'est pas vrai. Non, mais arrête, pourquoi tu dis ça? C'est pas vrai. On est romantique. Je n'ai pas encore expérimenté, je ne sais pas. Je ne veux pas dire, je veux pas dire ce que je n'ai pas encore vécu. Beaucoup, mais là, moi. Hein? Mais je ne sais pas, non. Ça, c'est pour les enfants. Ouais, c'est pour les enfants. Non, il y a pour. Non, mais. Je sais qu'il y a pour les grandes personnes, mais voilà. C'est pas non, ce modèle-là quand même. Non, ça, c'est mini. Ça, oui, je sais, bien sûr. Ici. J'aime et les. Puis, il dit, voilà, regarde-moi mon cœur. Et... Avec des trucs en bas ici, comme ça. Ah non, ça, il n'y a pas. Si, j'ai vu. J'ai vu. Tu l'as vu? L'homme de fer, c'est du Sénégal. Mario, j'arrive,
D'abord qu'on dit coucou à mes abonnés. Dis salut. Hello tout le monde. Alors aujourd'hui c'est ma dernière soirée à Dakar. Et je suis accompagnée de la belle Mélissa, voilà. Qui ne s'appelle plus Mélissa, elle s'appelle Madame. Madame Kwaku maintenant, vu qu'elle est mariée maintenant, donc c'est un peu ça. Ah non, mais j'ai pas changé de prénom quand même. Peut-être le nom de famille, oui, mais pas de prénom. Bah voilà. Donc on voulait passer un moment, jouer un peu au bowling, mais malheureusement il n'y a plus de jeu, point de jeu. Bon, on attend, on ne sait pas quoi décider. En tout cas, on est à la place du souvenir africain. Ça allait beau, mais vu que tous les points publics sont fermés, il n'y a pas de lumière, donc on n'arrive pas vraiment à voir. Donc je ne pourrais pas vraiment vous présenter cela. Pourquoi aller au fond là-bas? On peut marcher le long de la corniche, si tu veux. L'autre fois, on parle après. On va se lancer. Oui, maintenant je veux faire Nutella et sucre. Ouais. C'est bon. Alors madame, vous allez bien? Ça va bien. Comment? Yaourt ou quoi? Yaourt ou fleur de lait. Non, l'autre. L'autre. Pas le yaourt. C'est plus sucré que le yaourt. Non, l'autre. Non, non, ça va. Mais c'est pas ce qu'il a mis pour la dame là. Est-ce que c'est du yaourt? Pour la dame, c'était quoi? Pour la dame, c'était quoi? C'était du yaourt ou de lait? Moi ça c'est quoi en fait? Moi je comprends même pas. Yaourt, yaourt, c'est beau. Comme tu connais pas. Il y a bien des fois ce que tu connais. C'est ça qu'elle est en train de faire. Voilà. Au fait, supplément. Pourquoi? Non, ça va. Ok. Ah donc, qu'est-ce que vous avez? Non, ceux-là, c'est préférable. Nous avons des gaufres au sucre, au Nutella, et nous avons un magnifique yaourt. Les absents tout le temps. Ah. Moi, il comprend. Moi, je suis là. Je retourne. Pour bien, je n'ai pas pu prendre l'avion aujourd'hui. C'est la deuxième fois que ça m'arrive, ça. Et c'est pas du tout intéressant. Je tiens ma valise comme ça. Je descends pour aller prendre un ticket parce que. Apparemment, les règles ont changé. À Côte d'Ivoire, il me faut faire un nouveau test avant de partir et tout. Franchement, le Covid, c'est vraiment. Ça saoule quoi. Moi, je retourne à la maison comme ça. À cause du Covid, bien sûr. Là, je vais chercher à prendre un taxi et retourner au Mariste. J'y crois pas. Je suis encore sénégalais, je vous assure. Je ne m'y attendais pas. Actuellement, je pensais que j'allais être dans un avion et que je serais à quelques heures d'Abidjan, mais non. Je retourne. Et je dois faire un test aussi. Tout ça, je ne sais pas combien ça va me coûter, tout ça. Très sincèrement. Un peu déçu, mais bon, les règles sont les règles. Hein. Et en matière de santé, on ne fait pas de compromis, donc bon. C'est ça. Alors là, je viens de faire un tour à l'Institut Pasteur de Dakar en me dire que je dois forcément présenter mon billet d'avion. Donc, je dois faire le test 48 avant le vol, c'est-à-dire que je dois voyager le lundi. Je fais le test samedi, le dimanche, je prends le résultat. Et je fais le lundi ou encore le même jour, je prends le résultat, je peux aussi voyager.
les assiettes qu'on m'a dit. Donc actuellement je retourne et je vais essayer de voir nous parlons de cet accident pour revenir passer le test et véhicule du commissariat spécial. Hello tout le monde, alors je suis de retour, je viens de prendre mon résultat. Voilà, il est marqué Institut Pasteur de Dakar. Alors je l'ai lu et tout, c'est négatif, voilà, donc je n'ai pas le COVID-19. Ah, c'était pas facile parce que même hier quand je partais faire le test, j'étais trop stressée, je vous assure, parce que j'avais trop peur. En venant, j'avais déjà fait un test à Abidjan. Et c'était tellement douloureux, très douloureux, je t'assure. Ah, je vous assure, c'était tellement douloureux. C'était une longue tige et il y avait du coton au bout. Donc lui, on était comme ça, il mettait, il voyait vraiment ce qu'il faisait. Là, franchement, pendant plus de 30 secondes, même une minute, il était dessus le monsieur. Il s'en foutait. Et c'était très douloureux, donc quand je partais, je pensais, ah oui, je vais revivre ça et tout, mais c'était différent parce que quand je suis venue, j'ai fait deux types de prélèvements. Un prélèvement nasal et celui de la gorge. Donc j'ai ouvert la bouche, j'ai fait, ah, on m'a mis des trucs là-bas. Bon, enfin, c'était un coton aussi tige, hein, voilà. Et puis bon, le deuxième, c'était différent de celui d'Abidjan parce que c'était pas pareil, il était tout mince avec un peu de coton, un peu transparent, façon bien long là. Là, je n'ai plus fait la tête comme ça, j'ai fait comme ça. On me l'introduit. Mais là, c'est vrai que c'était un peu douloureux, mais pas comme celui d'Abidjan parce que, ah, le monsieur de là-bas, ouais, il s'est pas amusé avec le bara. Non, pas du tout. Donc, c'était tellement rapide, il a mis, bon, elle a eu à mettre ici, un peu ici. Et puis bon, en l'espace de moins de 30 secondes, c'était terminé. À bas le calvaire, alors j'ai fini ça, je vais aller prendre le test. Bon, bon, le résultat, c'est vrai que j'étais sûre que j'avais pas le Covid, mais je vous assure que c'est le stress est toujours là, un peu la peur au ventre et tout. Je suis partie après le résultat, j'ai open, j'ai vu, et voilà. Donc, je rentre à Dijon, je vais pouvoir déguster les gourmets, non? Donc, à demain.